à tous et à toutes, mon nom est Xania, je suis l'animatrice et la fondatrice de Colored Table et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre table d'aujourd'hui. Donc juste avant de commencer, on va présenter la table. Salut tout le monde, moi je m'appelle Kim, Kimberly Coulon, merci, appelez-moi Kim. Moi je suis une étudiante au baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM. Je suis aussi quelqu'un qui est engagé dans ma communauté ici à Montréal. Fait que j'ai formé un projet qui s'appelle Inclusion Jeunesse, où on s'est connus. Je fais maintenant partie ici du collectif mondial des jeunes d'Amnesty International. Oui. Salut tout le monde, moi je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans, je suis mère d'un enfant et j'étudie dans un baccalauréat en urbanisme à l'UQAM. Et entre-temps, je travaille dans un centre intégré de services sociaux à Laval. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frank, j'ai 23 ans, je suis en sciences politiques à l'UQAM. Je m'applique un peu ici à la communauté de Montréal, mais depuis la pandémie, tout a chamboulé. Donc en ce moment, je travaille principalement et c'est ça, je fais de la sécurité et je travaille dans un parc. Super! Donc merci pour la présentation. Sinon, j'allais juste dire qu'aujourd'hui, on a la chance de se retrouver au salon de Artisan 422. Je vous encourage fortement à venir visiter, à venir voir ça a l'air de quoi. Puis c'est ça, donc j'aimerais juste remercier Lovely de nous laisser utiliser son beau local. Tellement beau. Oui. Donc, en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est l'identité et la culture. Donc, bien évidemment, on va parler de notre communauté, on va parler de notre identité, on va parler d'immigration, d'un petit peu de tout ça. Donc, la première question que j'avais pour vous, en fait, un peu comme brise-glace, ça serait comment vous vous identifiez et est-ce que vous vous sentez comme des Québécois? Quelqu'un veut se lancer? Vas-y. Ok. Comment je m'identifie? Je m'identifie comme Burundo-Canadien. Pourquoi? Parce que je suis né au Burundi. J'ai grandi là-bas jusqu'en 2013. J'avais 16 ans. On est parti juste avant que. Ça éclate, il y avait comme une crise en 2015 et c'est ça, après je suis venu ici au Canada en tant que réfugié politique et je me considère canadien parce que le Canada m'a accepté quand j'étais dans une situation un peu délicate, c'est ça. Donc les deux, tu prends les deux? Ouais, je prends les deux. Ok. Ouais. Moi, je me considère totalement africaine et surtout congolaise parce que déjà je suis née au Congo Kinshasa, j'y ai grandi et je suis venue au Québec en 2011, donc ça fait à peu près 9 ans que je suis ici, mais j'ai toujours eu un très fort sentiment d'appartenance à l'Afrique, donc c'est comme un aimant, ça, l'Afrique m'appelle à chaque fois, donc je vais finir par rentrer au final. Donc, ouais. Ok. Moi, j'ai un père qui est québécois, j'ai une mère qui vient des Philippines, mais j'ai grandi toute ma vie ici, à Montréal. Est-ce que je me sens canadienne, québécoise ou montréalaise? Pour vrai, je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est en sortant de Montréal puis en sortant du Canada que je réalise à quel point je suis canadienne. Mais je ne sens pas d'attachement fort à ma communauté, même à la communauté philippine, parce que je ne parle pas la langue, parce que j'ai grandi en Montréal. Moi, j'ai pas cet attachement-là. J'ai l'impression, contrairement à toi qui dis « moi, c'est sûr, je suis africaine », ouais, je pense que ma relation à mon identité est différente. Mais sinon, j'allais demander, selon vous, qui possède ce droit de définir les identités des gens? Comme est-ce que, selon vous, quelqu'un pourrait vous dire toi, Frank, par exemple, tu n'es pas Canadien, tu n'es pas Québécois. Toi, Kimberly, tu n'es pas Québécoise. Ou est-ce que toi, par exemple, qui ne t'identifies pas nécessairement comme Québécoise, est-ce que tu trouves que quelqu'un pourrait venir te dire que tu ne l'es pas, par exemple? Non, parce que ça dépend de tout un chacun. On ne connaît pas la vie des gens. Pourquoi ils vont s'attacher à
à des communautés plus qu'à d'autres. Par exemple, on a souvent tendance à entendre, quand on voit une personne, je ne sais pas moi, d'origine africaine ou antillaise, qui va dire « je suis canadien », on va lui dire « non, tu n'es pas canadien ». Le plus important, moi, je dirais, c'est de savoir au moins d'où tu viens. C'est ça la base, mais après, tu as le droit de t'identifier à un endroit là où tu te sens à l'aise, en fait. Comme toi, enfin, peut-être que tu ne t'identifies pas aux Philippines, mais si tu es à l'aise juste d'être ici, c'est OK aussi. Quoi. Ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis, ce qu'il faut savoir, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Mais moi, je viens d'où? La question, okay. Ça se pose. T'sais, j'ai un père qui a grandi dans le Bas-Saint-Laurent, en région. J'ai une mère qui a grandi aux Philippines. Est-ce que je me sens comme une fille de région ou une fille des Philippines? Alors que c'est là où est-ce que je viens. Okay. Je sais pas. Comme d'une part, il y a une partie de moi qui a envie de dire genre oui, genre, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit ben, par rapport à ma propre expérience, que je me pose la question d'où est-ce que je viens moi-même. Puis la question, je ne sais comment. Ouais, mais je pense que c'est intéressant parce que justement, ben moi je suis née ici, mais je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont nés en Haïti. Puis je me suis toujours dit, comme en grandissant, que c'est nous, les immigrants de deuxième génération, parce que vous êtes nés dans un autre pays, mais nous, on est nés ici. Mais d'un regard intérieur, c'est comme si on se fait constamment rappeler. En tout cas, moi, dans mon cas, je me fais constamment rappeler que je ne suis pas d'ici. Mais j'ai quand même cette appropriation ici parce que je m'identifie quand même comme Québécoise d'origine haïtienne. Mais c'est, ouais, je comprends ton point de, tu sais, comme crise identitaire un peu, de se dire, mais de où on vient, on est qui, on est où, tout ce point-là. Ouais, je pense que c'est vraiment plus large. C'est, même si je me définis Burundais, c'est encore plus large que ça. C'est vraiment, ça se définit pas juste par une nationalité. Même si tu ressens toujours cette appartenance, oui, mais c'est pas juste ça. Est-ce que tu sens que ta façon de t'identifier a changé depuis que tu es venue ici? Quand tu dis, par exemple, que tu ne penses pas comme les gens de là-bas, est-ce que c'est ça que tu faisais? Même quand j'étais au Burundi, hein, j'avais toujours une certaine façon de penser qui n'est pas toujours la même que les autres. Donc, pour moi, ça a toujours été... C'est chaque personne est différente. Donc, chaque personne a sa propre identité. Et c'est de cette façon-là qu'elle a sa propre identité qui n'est pas juste canadienne. Mm-hmm. Ouais. Une identité genre, ouais. Personnalisée. Ouais. Il y a cette communauté d'appartenance qu'on veut toujours se mettre. Mais sinon, je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à ça. Ouais, en fait, l'identité, c'est quelque chose qui est très large. Ouais. Tu sais, je crois que aussi, c'est ça, que personne ne peut vraiment nous dire qui on est. Mm-hmm. Même si on sait qui nous on est dans notre tête, mm-hmm. personne ne peut devenir juste en nous regardant de toutes les manières. Mm-hmm. C'est difficile de faire ça parce que l'identité, c'est quelque chose de personnel. Mm-hmm. C'est ça, ouais. Vraiment très personnel. C'est un point important parce que, justement, nous, on est nés ici, mais vous, même si que vous viviez ici et que vous avez vécu aussi là-bas, quand vous retournez, est-ce que vous sentez, comme toi, tu te sens chez toi, c'est ça? Moi, je me sens chez moi. OK. Mais c'est sûr que, comme je partage ton point aussi, je ne vais pas penser forcément comme les personnes au pays, tu vois. Mm. Et je me sens chez moi. Puis, c'est quoi se sentir chez soi? Comme pour toi, c'est quoi se sentir chez moi? C'est comme si je ne déteins pas. Parce que quand je suis ici, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un regard qui est plus centré sur toi, comme si tu es l'intrus, quoi, en fait, mm-hmm. tu vois. Mais là-bas, non. Et puis, mm-hmm. les gens ont tellement de problèmes que, bon, même si tu es là, c'est pas leur problème. Tu vois. Donc, tu te sens bien, personne ne te juge. Bon, ça va. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens ici? Mais c'est drôle, ouais. J'allais te poser la même question. Ouais. Parfois, je me sens comme ça aussi. Autant qu'il y a des jours que je sens que je me sens montréalais, je sens pas ce regard-là. Mais tu vois, si je vais au sein de ma communauté filipino ici à Montréal, les gens, je le vois, ils sont comme...
genre, c'est que les vins sont trop bons. Puis comme, tu sais, je vais... Tu sais, je marche en banlieue d'où est-ce que je viens, puis je sens la même chose, ce même regard-là, de genre, ah, c'était là l'air exotique, de la part des Québécois, tu sais. Fait, c'est drôle parce que, autant que je me sens chez moi, mettons, ici en ce moment, mais autant que... T'es comme en fait au, au sein de mes communautés, je me sens pas chez moi. Je comprends, ouais, j'ai aussi des cousins qui sont mixtes aussi, et c'est souvent un problème, donc... Ils ont beau s'identifier aux deux cultures, mais quand ils vont dans une, on voit qu'ils sont différents. Quand ils vont dans l'autre, on voit que c'est... Ouais, j'avoue que c'est quand même problématique. Mais ouais. Dans le fond, c'est juste de s'affirmer, d'être sûr de soi. Il y a toujours des gens qui vont parler pour te dire « Non, toi, tu viens d'ici, toi, tu ne viens pas d'ici. » Mais donc, c'est toi qui dois savoir tu viens d'où. Et tu dois... Tu peux prendre une part d'une de tes cultures et te l'approprier vraiment, tu vois. Et t'accepter comme ça. Donc. C'est tellement une bonne question, c'est de demander c'est quoi être chez soi. Je trouve que ça représente un petit peu comme cette crise identitaire, justement, et ce clash de culture. Puis c'était ça ma prochaine question. Est-ce que vous sentez qu'il y a un clash de culture ici, un clash de valeurs qui ferait que vous associez peut-être plus d'un bord ou d'un autre? Là, je parle à mon enfant qui étudie en sciences politiques. J'ai envie, d'un côté, j'ai envie de dire oui, mais d'un autre, non, parce que je trouve parfois cette idée de clash revient à cette idée de clash des civilisations. Que Huntington, je pense, qu'il y a un article par rapport à ça, puis que ça a été vraiment controversé, puis ça a été challengé parce que, grosso modo, ce qu'il disait dans son article, c'est que qu'il y avait un nous, puis il y avait un eux, puis c'est ça le monde, tu sais. Puis j'ai envie de dire non, tu sais, comme c'est pas ça, puis il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire, mais je trouve qu'on met toujours nos identités en confrontation, que nécessairement il y a justement un nous, il y a un eux, il y a toujours cette idée de la différence. Mais je pense qu'il y a davantage, ça va être plus encore de dire aussi, mais qu'il y a des similarités aussi, qu'il y a des similitudes. Puis, Okay. C'est intéressant, comme quoi est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, on doit être capable de sourire aux autres pour juste vivre ensemble. Oui. Ouais. Ouais. Mais vous ne sentez pas qu'il y a une différence de culture, de valeur ici, par rapport à vos pays d'origine ou les pays de vos parents? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ben, si, par exemple, mes parents, ils habitent ici et. Oui, vraiment, le choc culturel est très par rapport à si on prend à des amis, à leurs amis québécois, ce serait vraiment très différent, quoi. Parce que eux, ils sont très, pas conservateurs, mais ils pensent toujours à la bonté, le respect. C'est très différent, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas vraiment ici. Ouais, c'est ça. C'est comme, je me souviens quand je suis arrivée ici, j'ai été choquée de quelque chose. Quand je passais dans la rue, je disais bonjour aux gens. Et les gens pensaient que j'étais malade. Donc... Mais je me disais, c'est la politesse chez nous, donc ce n'était pas évident forcément. Donc... Ouais. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Mais même quand on parle de valeurs, de culture, d'identité, de religion... d'appartenance et tout ça. Il y a aussi le simple concept de comment on va éduquer nos enfants. Comme moi, par exemple, je ne sens pas que j'ai été éduquée de la même façon que d'autres personnes qui n'ont pas la même culture que moi ou des gens qui sont nés ici, que leurs parents sont nés ici, que leurs arrière-parents sont nés ici. Parce que justement, j'ai cette culture qui vient d'ailleurs. Puis on a des différentes valeurs. Mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Mais je trouve que c'est après comme ça qu'on réalise qu'il y a, une différence. Puis c'est pour ça que moi, par exemple, quand je me regarde dans une salle où je suis en minorité, déjà là, se sentir comme une minorité, ce n'est pas un concept qu'on va vivre dans notre pays d'origine. Mais quand je suis dans une salle comme ça, je peux comparer puis faire comme « Ah, OK, non, je vois une différence. » Comme je ne suis pas pareil. « I stand out », tu sais. Moi, je pense que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense quand même que... sûrement, chez les immigrants,
il y a toujours une éducation qui est un peu différente de québécois, souche québécoise. Ou même, genre, si on prend l'éducation, je pense, dans la même autochtone, je pense que c'est vraiment comme très, très différent. Quoi. Ouais. Ah oui, absolument. Ouais. Mais moi, je dirais que ça dépend vraiment, pas de forcément d'où tu viens, mais ça dépend des personnes. Tu peux voir des Africains qui éduquent leurs enfants à la manière d'ici aussi. Donc, ça dépend de chacun des parents. Ils ont toujours une éducation différente à donner à chaque enfant. Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, l'éducation que mon frère donne à ses enfants et l'éducation que ma soeur donne à ses enfants, c'est tellement différent. Mon frère, il donne plus... il oblige son enfant à parler de Tundi. Il est plus, je crois qu'il est plus strict un peu, alors que ma soeur est plus laissée aller un peu. Ouais. Elle parle en français, donc c'est très différent. Mm-hmm. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose avec le parcours des parents, le parcours migratoire en soi. Je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup, puis qui a une espèce de dénominateur commun entre les enfants des migrants, même s'ils sont d'origine différente. Et je pense que cette notion de responsabilité, de tes parents ont sacrifié tellement pour toi, ils sont partis de loin, leurs diplômes ne sont pas reconnus, ils travaillent plus, ils ont un travail qui n'est pas à la hauteur de leurs compétences, ils ont sacrifié beaucoup. Puis je trouve que malgré les différentes identités, justement, il y a cette identité aussi qui est commune chez les enfants d'immigrants de vouloir, je sais pas comment dire, en faire plus, qu'il y ait cette pression-là, parce que tes parents ont sacrifié beaucoup pour toi. Ouais, la notion du travail, elle est vraiment présente. Ça, ça devient une pression, je crois, pour nous aussi. Ouais. Beaucoup, comment ça... On a la pression, dès qu'on arrive ici, on dit... Tu vas pas travailler. Ouais, il faut des bonnes notes. Il faut être ingénieur, docteur ou avocat. Ça finit là. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que souvent, les immigrants ou les enfants d'immigrants, ils vont souvent ramener ça, qu'on est toujours en train de travailler, on est toujours en train de faire plus. T'sais, qu'on est comme un petit peu désavantagé déjà dans la société. Mais ça, donc on avait une question aussi par rapport à l'inclusion. L'inclusion et comme la division un petit peu qu'il y a des fois entre communautés, tu sais, comme par rapport à notre façon justement de s'identifier, puisque c'est quelque chose de tellement personnel, d'intime, que personne ne peut vraiment définir. On se demandait, ça, comme qu'est-ce que vous pensez par rapport, tu sais, au fait de stigmatiser certaines activités comme blanches. Ou je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous savez, comme par exemple, il y a certaines personnes qui vont aller faire du ski. Mm-hmm. Puis il y a un Africain, par exemple. Tu vois si je m'en vais. Donc, un Africain qui va aller faire du ski. Mm-hmm. Puis c'est les propres Africains, donc les propres personnes de sa communauté qui vont lui dire, mais pourquoi tu vas faire du ski? Mm-hmm. Ou comme pourquoi tu vas aller faire du camping? Mm-hmm. Comme ça sert à quoi pour toi de faire ça? Ou comme si ça c'est une activité blanche. Mm-hmm. Comme qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça de stigmatiser les différentes activités? Moi, je trouve qu'on peut être ouvert à tout. Juste, on doit être ouvert à tout. On vit dans un monde, on est ensemble, mais c'est toujours, comme je disais, de savoir d'où on vient. On a le droit de faire les activités qu'on veut, quoi. Bon. C'est ça que moi, je pense. Mmh. Ouais, moi, je pense que c'est très important de juste de faire ce genre d'activité-là, parce que c'est très... Genre, si tu veux vraiment... comme embrasser cette culture-là, c'est vraiment très important de se jeter dans l'eau, comme d'aller faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Parce que sinon, ben, si tu restes un peu aussi comme sur ton côté, t'essayes pas de faire autre chose alors que t'es théoriquement pas chez toi, ce sera difficile de te faire des amis ou même de juste savoir de développer d'autres skills que t'as pas. Donc moi par exemple, quand je suis arrivé ici, j'avais jamais joué au football américain, je connaissais rien du tout, mais c'est ce qui m'a permis de vraiment genre sortir de ma zone de confort et
de voir d'autres choses que je n'aurais pas pu voir si je serais simplement allé jouer au soccer. Ouais. Ouais. C'est ça. Ok, cool. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Non? Je serais curieuse de savoir. Est-ce que toi, tu as... Ben moi, ouais. Non, mais non, je demandais ça un petit peu parce qu'on avait eu cette conversation-là, justement. Puis, je trouvais ça intéressant parce que moi, en fait, quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrit à un camp de ski. Mmh. Wow. Puis, je crois que j'avais comme 5 ans la première fois. Donc, j'ai commencé à faire du ski depuis que je suis toute petite. Wow. Puis, j'étais la seule noire, on s'entend, sur la piste. Ouais, ouais. Puis, c'était toujours comme bizarre de voir le regard des autres, ouais. De me regarder comme, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais. Moi, je skie bien, je fais du snowboard aussi, puis comme... Mais c'était pas une activité qui était comme très reconnue, c'est comme étant, ou même la natation. Ah ouais. C'est comme, je sais nager très très bien. Ouais, c'est mais vrai. Ça, tu vois, c'est comme, on est supposé avoir peur de l'eau, donc. Ouais. C'est des petites affaires comme ça qui font que, à la fin, si on s'empêche de le faire, comme tu as dit, est-ce qu'on s'empêche même de s'inclure, ouais. dans la culture? Moi, je pense que de faire ce genre d'activité, ça te permet aussi de comprendre comment le monde fonctionne, de comprendre qu'il y a tellement de jugements dans certains trucs, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, et ça te permet justement d'apporter un changement au final, tu vois. Tu remarques toutes ces petites choses dans la société, ça te forme en tant que personne, et même dans tes projets, tu vas te dire, bon, j'aimerais pouvoir faire telle chose pour améliorer ça, pour qu'il n'y ait plus ce genre de jugement, quoi. Ouais, ouais, c'est un bon point, mais c'est justement, comme tu sais, par le Parlement jeunesse, c'est une simulation, c'est nous on a participé à ça, puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes racisées qui participent. Puis c'est drôle parce que la première chose que j'ai eu comme réflexe, en fait c'est Kimberly qui m'a proposé de participer. Puis mon premier réflexe c'était comme, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres gens comme moi? Moi aussi. Puis tu sais, ça m'a presque freinée dans le sens que j'étais comme, mais là je vais aller parler, puis je vais être la seule, puis tu sais, ça va être comme compliqué et difficile. Mais si je ne l'avais pas fait, d'autres personnes derrière moi ne l'auraient pas fait non plus. Donc, si on se limite, c'est ça comme tu as dit, c'est... Et même ça peut s'appliquer dans les jobs. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas juste les activités. Ouais. Non, vraiment, même moi, quand j'ai appliqué pour le VGQ, je me suis dit, mais même si je suis le seul, mais je dois quand même donner cette image aux autres que les autres aussi peuvent le faire, les gens qui me ressemblent, tu vois. Je sais que si moi je suis capable, je suis sûr que les autres aussi sont capables. Ouais. Mais je crois même pas que c'est une question d'être capable ou pas. Je crois que c'est une question de est-ce qu'on va se sentir... On a toujours cette... Ben moi, dans mon cas, c'était avoir peur d'être exclu. Ouais. C'est de mal être compris, de sentir que je dérange. Ouais, ok, je vois. Moi, c'était plus ça. Ouais. Ou de sentir de pas avoir la légitimité. Ouais. Moi, je ressens beaucoup du fait d'être jeune. J'ai 22, fait que je pense être plus vieille, mais d'être souvent dans des espaces où c'est les gens ont plus d'expérience que moi, ils sont plus vieux. Mais c'est dur de se donner cette légitimité-là. Sinon, j'allais aussi vous demander, au niveau du vivre ensemble, c'est un concept qui est de plus en plus abordé. Le concept de savoir comment, dans une société, même avec nos différences, même avec nos divergences, comment on peut apprendre à vivre ensemble, tu sais, à s'apprécier. Est-ce que vous avez un point à faire sur ça, un conseil pour ceux comme des jeunes immigrants de deuxième génération comme nous autour de la table qui ont peut-être peur de s'affirmer? Je trouve que c'est un vivre ensemble, c'est un mot qui veut... Puis, alors, je suis certaine de l'avoir utilisé, comme je l'ai utilisé auparavant aussi, puis je vais continuer à l'utiliser aussi, mais je trouve que c'est un mot avec lequel qu'il faut faire attention parce qu'il est très politically correct. Tu sais, c'est comme on va parler de vivre ensemble, mais parfois on va utiliser le mot vivre ensemble pour dire ah, ben tu sais, arrête de parler de racisme ou de discrimination, ça rend certaines personnes mal à l'aise. Ou on va utiliser ce genre de discours-là pour au final exclure certaines personnes que notre but initial c'était en fait de les inclure. Fait que je trouve que c'est un terme qui est important, que oui, on veut tous vivre ensemble, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais après ça, je pense que c'est un terme qui est largement connoté politiquement, puis qui est utilisé avec prudence, parce que je trouve que ça peut laisser place à des divisions. Ouais, c'est un bon point.
Et je trouve qu'on veut souvent se fondre dans le décor, tu vois. C'est comme si, quelque chose doit être acceptable, si quelque chose doit être confirmé par le blanc, c'est bon, quoi, tu vois. Ou des émissions, on en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on connaît pas bien notre valeur. On va, nous dire, on les met un peu dans une émission, là, pour faire joli. Et nous, on accepte. Et comme ici, je pense qu'au mois de février aussi, il y a le mois des noirs. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je crois que, moi, je trouve ça assez insultant, quoi. Donc, vas-y, explique. Dans le sens où, déjà, c'est le mois le plus court de l'année, donc on nous case là, et nous, on est satisfait de ça. Non, on peut parler de l'histoire des noirs en tout temps pendant l'année. Pourquoi on doit faire un mois spécial, comme si nous, on est différents, quoi? Ça, ça ne me plaît pas, je sais pas. J'ai envie de te poser une question, parce qu'il y a un truc que tu as dit qui m'a accroché, qu'on doit s'attaquer à la source du racisme, pas juste aux branches. Ouais. C'est quoi la source? Ouais. Est-ce que, c'est quoi le système? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que c'est des structures? C'est quoi? Le système, c'est tellement complexe. Je te dirais que c'est toute la structure même étatique, parce que en tant que afro-descendant ou quoi, toute notre histoire, elle a été très faussée. Je veux dire, c'est nous, les anciens israélites, tu comprends? Les Israéliens et tout ça, c'est nous à la base, c'est des personnes noires. Mais même ça, ça a été comme faussé, tu vois? Genre, même si par exemple, je parle de Jésus, si je venais dire à quelqu'un, à Xavier, Jésus est noir, ouais. Souvent, la majeure partie des gens de notre communauté vont avoir peur. Ils vont se dire, ah non, nous à l'église, on voit Jésus blanc, on n'est pas sûr. Donc, c'est même ancré à ce niveau-là. Donc, il y a un problème avec la structure, moi, je pense. Ils ont travaillé sur la mentalité des gens, accepter des choses qui ne sont pas forcément vraies et accepter tout et n'importe quoi aussi, dont le racisme aussi. Mais je crois que ça fait partie aussi de l'histoire, comme tu as dit. C'est que c'est tellement profond que même nos livres d'histoire ne sont pas cohérents. Les choses qu'on apprend ne sont pas exactes. De pays en pays, ça varie. Donc, même à là, c'est comme si on est comme prédisposé à penser d'une certaine façon et à de nous percevoir comme des minorités. Ouais. Tu sais, même quand on dit minorité visible, minorité, on n'est pas vraiment des minorités. Tu sais, on est des minorités ici. Ici. On est, donc, on est perçu comme des minorités. On n'est pas vraiment des minorités. Mais, tu sais, c'est en fait que même l'histoire, comme elle a été écrite, notre façon de lire dans nos cours d'histoire et tout, c'est écrit tel qu'on est une minorité, qu'on est... C'est une petite partie. Tu sais, quand on va parler du racisme, c'est comme deux lignes dans un livre d'histoire de, tu sais, une centaine de pages. Donc, c'est s'attaquer à l'éducation, surtout. L'éducation, pour l'identité, c'est comme... Par exemple, si je fais référence un peu à un côté spirituel, on est sur la Terre ici, on doit travailler. Je ne sais pas si on doit travailler, mais les êtres humains en tant que tels, on aime beaucoup la facilité. Et je veux dire, par exemple, nous, en tant que noirs, les gens qui portent des perruques, tu vois, c'est par facilité. Oh, ça me facilite de mettre juste une perruque. Non, on a tous les moyens nécessaires pour faire pousser nos cheveux. Pourquoi on ne le fait pas? Ça a une importance pour avoir une identité aussi, tu vois. On néglige ça. On va aller mettre des perruques blondes. Moi, je n'ai pas les cheveux blonds. Je n'ai pas les cheveux lisses. C'est tout ce côté-là. Ouais. Donc, même côté alimentation, on est beaucoup dans... Dans les fast-food, même en Afrique, dans certains pays d'Afrique, par exemple au Ghana, on va te mettre McDonald's et les gens vont aller au McDo alors qu'ils peuvent manger la nourriture du pays et c'est plus nutritif, tu vois. Mais je sais pas pourquoi on a toujours envie de quitter notre identité à nous pour un peu trop prendre des autres, quoi, jusqu'à même ne plus avoir notre identité à nous. C'est intéressant. Ouais. Mais au niveau des cheveux aussi, c'est intéressant, juste parce que c'est une façon de s'accepter, de s'aimer. Puis c'est drôle parce qu'on est dans un salon de coiffeur, justement. Mais ça fait partie de ça. C'est notre identité, c'est qui on est. Nos cheveux, mes cheveux poussent comme ça de ma tête. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais à les changer. Ouais. C'est pour ça que je disais que le problème, c'est que la source, c'est comme le système, parce que quand je regarde dans certains pays d'Afrique, par exemple,
on nous met des pancartes avec les produits éclaircissants. J'imagine que tu as déjà vu ce genre de... Quand tu passes dans la rue. Le système permet qu'on diffuse ce genre de choses, mais ça casse l'identité des gens aussi. Les gens ne sont plus à l'aise. Tu vas voir des mannequins, donc il y a des gens qui sont un peu plus... qui ont un peu de surpoids, qui ne sont plus à l'aise. Bon, c'est quoi leur projet au final? Dernièrement, ils ont commencé à enlever ces produits-là sur le marché. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a Ouganda et au Rwanda, ils ont complètement enlevé ces produits sur le marché. Donc, ça commence. Peut-être que ça commence un tout petit peu. Mais même ici, il y en a. Oui, si, ouais, ça se voit. Oui, ici, il y en a aussi. Et ça vend bien. Oui, c'est encore un problème, mais c'est, je crois que ça va encore, comme on a dit, c'est l'éducation, attaquer la structure, l'État même, mais c'est surtout comme s'éduquer nous-mêmes sur qui on est, aller faire des recherches sur notre culture, apprendre à s'aimer aussi, ça c'est comme... Je n'arrive pas à comprendre comment, j'ai souvent remarqué, même au niveau des langues, même si ce sera un autre sujet, on a tendance à parler plus le français, ou des fois, je connais des gens, ça crée une petite gêne même de parler nos propres langues, tu vois. Moi, ma langue, c'est le lingala, mais j'ai déjà rencontré des gens qui, quand tu parles en lingala, ils te disent « Pourquoi tu parles en lingala ?» Mais c'est notre langue, je ne comprends pas. Tu parles la langue, tu comprends la langue, comment, pourquoi on ne peut pas Et je pense que c'est ça que, genre, pour répondre à ta question, tantôt, tu nous avais demandé... Comment genre, tu te fais te sentir chez toi? Moi, c'est vraiment quand je parle ma langue, c'est quand le fait que je puisse parler la langue qui fait que j'ai plus de facilité quand je suis au Burundi. Par exemple, là, je veux me sentir chez moi. Le fait de voir les événements culturels qui sont très différents d'ici, c'est ça qui fait que je peux me sentir chez moi. Mais il y a la cuisine aussi. Il y a tout. C'est pas des trucs genre, par exemple ici, c'est ici à Montréal, moi je trouve que c'est très difficile de trouver la nourriture de chez nous. Faut vraiment que j'aille genre à Ottawa, c'est là où il y a. Je trouve qu'après un certain temps d'avoir passé les deux pieds à un endroit, c'est vraiment dur de moi je suis un peu comme toi, pourtant je suis même pas venue ici, fait que je suis pas québécoise, j'ai pas de parents québécois, mais pourtant j'ai passé tellement de temps au Québec que quand je retourne dans mon pays, c'est sûr, ils vont remarquer tout de suite, comme la manière que je parle français ou comment je me comporte. Puis malgré moi, même si, comme à peu près tout le monde à la table, et quand je marche à travers le Québec, je sens des regards, on pose des questions, les cheveux, tu viens d'où, c'est comme, etc. Même si au Québec, je peux avoir des regards, j'ai quand même, j'ai inclus dans mon identité certaines valeurs québécoises, certaines habitudes québécoises. Donc quand je retourne, il y a des trucs aussi, c'est vraiment dans le détail, mais tu sais, des trucs comme faire la file pour prendre l'autobus ou m'asseoir dans un café où les gens ne sont pas habitués à voir des femmes dans un café, ou j'ai cherché des toilettes, puis il y a un de mes frères qui est comme, non, tu ne peux pas juste partir comme ça chercher les toilettes dans un restaurant, il faut que quelqu'un t'accompagne, il faut faire attention, etc. etc. C'est des trucs qu'au Québec, je ne réfléchis pas. Puis c'est à cause de ces petits détails qui sont pourtant tellement ridicules que les gens ailleurs, parce que j'ai fait aussi plusieurs comme pays d'Afrique, les gens vont me dire « Oh, mais toi, t'es une blanche. » Comme... Donc, je trouve ça vraiment complexe comme de dire qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens bien. C'est comme plein de choses en même temps qui sont de partout. T'sais, j'ai passé plus de temps à étudier dans les Caraïbes que de temps dans mon propre pays. Donc, même encore là, comme j'ai mangé de la bouffe de tellement partout que comme il y a plein de choses en même temps que je m'ennuie. Donc, je sais pas, je trouve que l'identité, c'est vraiment dur. Je comprends aussi l'envie du retour vers le pays d'origine. Mais je me pose la question, comme si tu finis par le faire, c'est que je souhaite, parce que même hier, à la table, au premier épisode, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je vais investir en Afrique, il faut que j'y retourne. » Je me demande, comme les gens qui font un retour, parce qu'il y en a de plus en plus, des immigrants qui font un retour à leur propre pays pour essayer de changer les choses, ou peu importe, pour voir les choses différemment. Est-ce que c'est facile? Est-ce que le voyage
contraire est facile. Mm. Puis je crois pas. Mes parents ont trouvé ça dur, puis je crois que des fois, le retour aussi, il peut être tout aussi dur, genre. Qu'est-ce que t'en penses? Le retour est dur, je pense, parce qu'on remarque directement, effectivement, que tu ne... C'est comme s'ils te disent, tu viens pas de là, même moi, c'est la même chose. Je suis ici, la façon dont je parle, même juste quand je parle pas, ils me regardent, ils disent, ils savent. Tu ne dirais que pas. Ouais. C'est toujours difficile, mais écoute, tu dois t'affirmer, tu dois être sûr de toi et aller. C'est sûr qu'il y a des mentalités qui sont différentes, mais c'est difficile, je comprends tout à fait, c'est pas évident. Ouais, non, c'est pas facile. Moi, mon frère, il a compte retourner là-bas, mais là, il était rentré en 2000, juste avant que je parte, il était rentré en 2014, et c'était pas facile pour lui parce que lui, il essayait de reprendre une vie normale et tout, mais là, c'était très difficile parce que c'est très pauvre. C'est très difficile de dire ok, je vais investir ici et je vais tout laisser là-bas. Donc c'est pas facile, même si puis même comme tu dis, quand tu arrives là-bas, évidemment ça te fait des besoins, mais finalement moi, je trouve que c'est dommage quand tu es très demain, ça veut dire que le besoin est comme plus avancé et tout. Mais je pense pas qu'il pointe comme si c'était avancé, je pense qu'il pointe comme T'es un étranger. Moi, j'ai juste eu cette expérience. Je sais pas si c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que, par exemple, si quelqu'un, tu sais, il voulait avoir... Quand il adoptait des bonnes manières, il disait « Ah, je vais faire comme le blanc, tu vois. » Même si c'est le gars qui habite là-bas, tu vois. Donc, il voit que c'est comme... Ce serait comme... pas la finalité, mais c'est vraiment plus... Mais ça, c'est... Plus supérieur à toi. C'est un bon point que comme vous emmenez tous, honnêtement, parce que ça, justement, puis tu l'as mentionné un peu, tu sais, quand tu vas en région, tu te sens d'une certaine façon. Quand tu vas en Philippines, tu te sens d'une façon. Comme moi, je me souviens, ben, c'est toujours ça, quand je vais en Haïti, c'est toujours le même sentiment de faire comme « Ah ouais, ok ». Comme moi, je me sens comme bien, je me sens vraiment bien là-bas, je me sens à l'aise, mais on me rappelle... Peut-être parce que je suis plus habituée ici, mais on me rappelle plus là-bas que je suis pas d'ici, mais de là-bas, que ici. Donc, quand je suis là-bas, tant que je me sens bien, je me sens comme si je suis en train de me ressourcer. Il y a comme un buzzkill de me dire, ouais, mais tu viens pas d'ici, t'es pas d'ici, comme ton accent, même l'accent créole est pas le même. C'est donc comme si on me remet toujours à... Puis c'est ça, comme la crise d'identité, se sentir comme, ok, ben est-ce que je suis... En fait, quand je suis en Haïti, on me dit que je suis canadienne. Puis quand je suis au Canada, on me dit ben, « t'es pas canadienne, t'es haïtienne ». Puis c'est comme « je suis de où ?» C'est un peu ça. Et moi, quand je suis arrivée ici, je suis restée comme 4 ans, 5 ans au Québec. Mais sincèrement, le temps que je suis restée là-bas, je peux pas dire que je me considérais vraiment comme un Québécois. Là, je me considérais vraiment comme un Burundais parce que moi, j'ai vu genre les gens étaient vraiment comme fermés d'esprit en fait, de mes propres expériences. C'est pour ça que je me voyais vraiment comme un Burundais. Je voyais beaucoup plus de racisme qu'ici. Et c'est quand j'ai déménagé à Montréal que j'ai été plus pouvais dire ah finalement je peux me considérer comme quelqu'un d'ici. D'un côté, c'est ça que j'aime quand même avec Montréal, il y a tout le monde ici, toutes les cultures, donc tu peux pas vraiment commencer à pointer les gens du doigt comme ça. Mais quand t'es dans un, comme tu dis, quand t'es à Québec, bon, c'est un peu plus peut-être fermé, donc tu détonnes, quoi. Mais je trouve que c'est juste une question de le conseil, peut-être, ce serait qu'il y ait un peu plus de respect des gens, parce que on n'est personne pour juger tout que ce soit, pour dire toi tu es ici. Ça met les gens mal à l'aise, tu ne connais pas le passé de qui que ce soit et enfin, tu ne connais pas la personne, peut-être qu'elle a un problème, elle veut essayer de s'intégrer quelque part, toi tu viens, tu bousilles son affaire parce que avec ton petit commentaire, inutile. Moi je pense qu'il faudrait juste comme que les gens ne perçoivent pas genre... comme qu'ils perçoivent l'identité comme quelque chose de très complexe et juste comme...
quand je te dis que je viens du Burundi, ben, que tu dises, bah, ah, tu fais comme ça, comme ci, comme ça, et que tu essaies d'apprendre la personne, d'apprendre à connaître la personne avant de juste essayer de le mettre dans, sa, dans une boîte. Dans une boîte, c'est ça. Ouais. Parce que l'identité ne peut pas être mise dans une boîte. Non. Parce qu'on est trop grand pour ça, on dépasse la boîte, on déborde la boîte. Si on est qui on est, c'est ça fini là. Pourquoi aux États-Unis, les gens, je trouve qu'aux États-Unis, les gens sont plus portés à dire I'm American. C'est peu importe c'est quoi leur couleur, leur langue, ils sont tout le temps comme. Ils ont tendance facile à dire bah, je viens des États-Unis. Ils sont tellement fiers. Pourquoi il n'y a pas ce sentiment-là, pourtant, comme ailleurs? Puis, je pense en France et pas au Québec, on ne voit pas autant qu'aux États-Unis. Très fort. Qu'est-ce qui fait en sorte que, comme lui, c'est ça, c'est l'idéologie. Ouais, Les boutiques culturalistes, là-bas, ils sont interculturalistes. En France aussi, ils sont interculturalistes. Ils sont des boutiques culturalistes, donc c'est pour ça. Donc, on est chacun dans un mois. Ouais. Ici, on est vivre ensemble. Ouais, c'est ça. Mais c'est même le fait aussi que on a tellement des réalités et des histoires différentes. Tu sais, quand on dit, ah, oh, ben, on va pas se comparer aux États-Unis. Ok, on se compare pas aux États-Unis, mais il y avait quand même l'esclavage ici. Tu sais, puis l'esclavage, par exemple, aux États-Unis, la façon dont il a pris place, comment il a comme vraiment, et en France aussi, comme Lovely a dit, c'est différent. Donc, moi, selon moi, c'est vraiment l'histoire qui bâtit tout ça. En fait, ici, l'histoire de l'esclavage au Canada, c'est que l'erreur, je dirais que c'est vraiment ironique, mais l'erreur que les Blancs ont fait, c'est qu'ils n'ont jamais mis en place de loi. Et c'est un peu plus tard quand les gens ont réalisé, mais il n'y a pas de loi qui fait en sorte qu'on est réduit à l'esclavage, qu'ils ont dû couper ça. Et je crois que, je ne sais pas, parce que selon moi, c'est ça, c'est quelque part dans l'histoire qui fait en sorte que, tu sais, on n'a pas la même identité qu'eux ou la même façon de s'identifier qu'eux non plus. Mais c'est un bon point. Mais je pense qu'il y a aussi quand même les descendants, les esclaves, les descendants des esclaves sont venus depuis très longtemps. Donc ils peuvent quand même, ils ont perdu les traces de leur origine, je pense. Qui nécessairement, je pense, à un moment donné, se comportent comme des Américains. Ils doivent se dire, ah, on est des Américains. Puis eux-mêmes, genre, ils connaissent, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas très bien l'histoire africaine. Ils sont très déconnectés, mais en même temps. Mais ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça les empêche pas de, genre, de lutter contre les racismes, le racisme qu'ils font face, mais encore être américains quand même. Puis c'est comme, ils se distancient pas de leur pays. Alors que quand il y a des batailles, je trouve qu'ailleurs, encore une fois, comme France-Québec, les gens vont lutter contre le racisme en se détachant en plus, comme, tu sais, comme c'est... Oui, mais c'est un bon point qu'il en est parce que justement, tu vois, les Américains vont dire, par exemple, les Noirs vont juste dire, I'm African American. Mais encore, what is African American? Right? Moi, je me suis toujours posé la question, je suis tombée, mais vous êtes Nigérien, vous êtes Haïtien, vous êtes, tu sais, vous venez du Burundi, vous venez du Congo, mais eux, ils le savent pas. Ouais. C'est nous, c'est drôle parce qu'on a cette notion-là de savoir comme... Ici, ça va avoir quelqu'un qui va dire « Ouais, mais je suis noire. » Oui, mais c'est vrai. C'est comme, on dirait, on sait on vient de où. Eux, ils vont s'associer comme un petit peu plus large. Là. Ouais. C'est vraiment... Mais je pense que c'était aussi un peu ce que... je pense avec tout ce que Malcolm X faisait et tout ça, de se détacher de leur nom d'esclaves, de quand ils avaient donné... de dire « Ah, maintenant j'ai un nom africain, vraiment africain. » Et non, je pense qu'il y avait des luttes quand même pour dire... Avant, ils disaient « Non, on va se détacher de cette identité américaine. » Et on va... Et c'est quand même qu'ils disaient « Non, on va retourner en Afrique quasiment. » Ouais. Mais ça, je pense que ça dépend juste des personnes, comment ils voient cette lutte. Ouais. Mais c'est sûr que la plus populaire, c'est... Les gens sont plus « Ah non, je suis américain, c'est tout. » Ouais. Mais moi, je trouve que... Le plus important, oui, ils ont été séparés de nous, mais ils savent quand même d'où ils viennent. Ils viennent d'Afrique. L'Afrique, c'est à la base, c'est une grande maison. Il n'y a pas de découpage et tout ça. Je veux dire,
quand tu regardes le pays, le Libéria, mais c'est des personnes qui ont été en Amérique et puis qui sont revenues, ils n'ont pas regardé, ah, je venais de quel pays. Non, ils sont rentrés, c'est quand même la terre. Ça fait quoi de... Même si tu es haïtienne, même si tu ne sais pas exactement, tu es quand même à la maison. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas leurs racines. Tu sais, comme, même les Africains, comme, il y a les Marocains aussi, tu sais, c'est comme, c'est pas juste les... Tu sais, des fois, on dit, on pense à l'Afrique, on pense juste aux Noirs. Mais je ne crois pas qu'un Marocain là-bas va s'identifier comme African American. C'est de la même façon que, juste en Haïti, tu vas voir les gens du nord, les gens du sud. On sait vraiment on vient de où. Eux, on dirait que non, on dirait qu'ils n'ont pas cette notion-là. Mais je pense que ça peut être aussi relié au fait qu'ils en veulent peut-être au fait que, bon, on sait qu'on vient d'Afrique, mais on a quitté dans des conditions déplorables, on ne veut plus y penser, on est fâché peut-être. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop se connecter, je ne sais pas. Ouais, faut pas oublier aussi que pendant ce temps-là, en Afrique, l'esclavage était vraiment pratiqué, pas juste entre Europe, Afrique, c'était vraiment aussi Asie-Afrique et Afrique-Afrique aussi. Donc je veux dire, on a tous subi cette forme d'esclavage, même ceux qui ont quitté et même ceux qui sont sur le territoire encore aujourd'hui. Oui, absolument. Si on pense à la Libye. Exact, c'est encore là. Et aujourd'hui, on nous parle plus. Tu vois, c'est ça, on dirait des fois, comme je disais, notre communauté, on accepte qu'on nous mette en plein écran juste pour un moment, tu vois. Au départ, quand il y a eu l'esclavage en Libye, on en a parlé et tout. Et puis, il y a eu un silence et on dirait que nous aussi, on s'est calmé, quoi. C'est comme si on nous donne un petit bonbon et puis, bon, calmez-vous un peu. Et puis, on se calme aussi, tu vois. Comme on arrête d'en parler, qu'on arrête de faire cet effort-là pour faire plus. Et c'est la même chose pour l'histoire de Black Lives Matter. Donc, écoutez, c'est mignon. On est allé mettre sur la route, là, Black Lives Matter, mais c'est un petit chocolat, quoi. C'est juste pour calmer les gens, pour détendre l'atmosphère. Mais c'est pas ça. Il y a un problème à la source, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on oublie des fois, tu vois. On est comme, ah, on nous a fait ça, donc c'est acceptable. Ouais. On sait, c'est comme si on se valorise pas, donc c'est là où je dis qu'il y a un problème quand même identitaire aussi. Souvent les pays africains sont très corrompus, sont très donc eux-mêmes ils ne s'engagent pas vraiment à lutter contre le racisme. Je pense qu'on doit plus travailler parce que c'est pas logique que, écoutez, on a tout sur notre terre, c'est les autres qui viennent prendre, ils travaillent avec ça, ils emmènent ça ici, et nous, on consomme ce qu'eux, ils font, alors que ça vient de chez nous. Donc, il n'y a pas de... Mais c'est vrai, comme le wax. Oui, et quand j'y pense, dans mon pays, même le riz, il est importé, alors qu'on a du riz chez nous. Pourquoi on consomme les trucs des autres? Donc, c'est les autres qui travaillent, et nous, on en bénéficie. C'est fainéant un peu, je trouve. Je trouve qu'on ne travaille pas assez. Et d'où l'aspect spirituel aussi, qui est très ancré dans l'Afrique. Dieu va faire. Souvent, c'est ça qu'on se dit. Et on ne bouge pas, quoi. On est là, Dieu va faire, matin. Mais machin, c'est toi aussi, tu travailles. C'est toi aussi, tu fais ça. Tu dois faire ta part aussi, tu vois. Il va travailler à travers toi. Donc, il y a tout ce côté un peu... fausser, comment expliquer les choses aux gens clairement. C'est comme l'agriculture, je trouve que c'est le domaine qui est vraiment de base, l'exploitation est atroce. Et je trouve que le système est tellement bien fait qu'il n'y a personne qui se révolte dans, autant dans ceux qui reçoivent que dans ceux qui sont exploités. On nous a un peu. On est un peu manipulés. Oui, mais il faut, en même temps, il faut déconstruire. C'est beaucoup là, la conversation. Comme l'esclavage en tant que tel a laissé tellement de traces. Et tu sais, quand on voit les conséquences justement du néocolonialisme, c'est tout ça. C'est de ça qu'on discute, de ne pas être capable d'être libre et affranchi comme on veut l'être. C'est à cause de ce retard qu'on a pris dû à l'esclavage. À ce temps-là où on n'avait pas justement accès à nos propres ressources parce qu'on travaillait pour les autres tout le temps.
Donc notre terre, c'est pas notre terre, c'est la terre aux autres. Mm. Ouais. Même notre main-d'œuvre, c'était pas à nous. Mm-hmm. C'était toujours pour servir l'autre. Donc, ouais, c'est gros comme c'est avec des consoles. Là, on nous fait vivre un peu dans une prison dorée, quoi, je trouve. Donc, on s'en rend pas trop compte et on accepte au final. Tu vois. Bon. Alors, je crois que ça conclut l'épisode d'aujourd'hui de l'identité et la culture. Donc, je voulais juste vous remercier vraiment d'être venu, d'avoir participé. Merci à toi. Merci. C'est vraiment cool.